Comment préparer du savon à la carotte? Découvrez dans cet article comment fabriquer du savon à la carotte pour prendre parfaitement soin de votre peau de manière naturelle. Préparation du savon à la carotte. Le savon est l'un des produits d'hygiène que nous utilisons le plus tous les jours pour éliminer la saleté et toutes les impuretés qui s'accumulent sur la peau et peuvent provoquer de mauvaises odeurs corporelles. Actuellement, ce produit est très courant et se trouve dans n'importe quel magasin. Le savon existe sous différentes présentations, tailles, formes et arômes. Cependant, beaucoup d'entre eux sont fabriqués avec des produits chimiques qui peuvent modifier le pH de la peau. Par ailleurs, les savons industriels peuvent aussi diminuer les huiles naturelles de la peau et provoquer différents types de réactions. Pour éviter les risques liés à l'utilisation de savons chimiques, il existe des alternatives naturelles beaucoup plus recommandées. Celles-ci permettent de nettoyer la peau et de lui apporter des nutriments pour la protéger et lui permettre de rester en bonne santé. C'est le cas du savon fait maison à base de carottes et de miel. Ce savon, ne contenant aucun produit chimique agressif, combine les propriétés de ces deux ingrédients. Par conséquent, il sera une option idéale et une excellente alternative pour nettoyer le visage et le corps de manière naturelle. Découvrez également cet article, confectionnez un savon naturel pour votre toilette intime. Bienfait du savon à la carotte fait maison. Le mélange de la carotte, du miel et d'autres ingrédients naturels font de ce savon un puissant remède anti-âge et très hydratant. Il est donc idéal pour les peaux qui ont tendance à sécher ou à subir des altérations telles que l'acné. Par ailleurs, il possède des propriétés antioxydantes qui aident à réparer les cellules endommagées et à stopper l'impact négatif des radicaux libres qui est l'une des causes du vieillissement prématuré. La carotte, son ingrédient principal. L'ingrédient actif de ce savon fait maison est la carotte. Cet aliment est connu depuis de nombreuses années grâce à ses multiples bienfaits pour la peau. Ses principales applications cosmétiques sont dues à sa teneur élevée en bêta-carotène et en antioxydants. Ceci offre une protection supplémentaire à la peau contre les dommages provoqués par les rayons UV et la pollution de l'environnement. Le bêta-carotène est un composé qui aide à maintenir le tonus de la peau et nous permet d'obtenir un bronzage léger sans nous exposer au soleil. Bien sûr, il ne doit pas être utilisé de manière excessive, car il peut produire une couleur orange ou jaunâtre sur les parties les plus blanches de la peau. Grâce à son contenu élevé en eau et en vitamines, ce légume aide également à restaurer le pH de la peau, tout en contribuant à la réduction de l'excès de graisse et d'acné. Pour compléter le tout, ces vitamines, minéraux et antioxydants accélèrent le processus de récupération de la peau et réduisent les cicatrices. Lisez également cet article, découvrez comment faire du savon au romarin pour la peau grasse. Comment fabriquer un savon à la carotte fait maison? Le savon à la carotte fait maison est très facile à préparer. De plus, vous pouvez obtenir ses ingrédients à très bas prix. La couleur du savon peut varier en fonction de la qualité de chacun des ingrédients. Ingrédients. (1/2 tasses d'huile de noix de coco, 300 g, 2 tasses d'huile d'olive, 400 g, 1/2 tasses d'huile d'amande, 100 g, 1/2 tasses de carottes cuites en purée, 100 g, 1 verre d'eau de cuisson des carottes, 200 ml, 1/2 tasses de soude caustique, 110 g, 1/2 cuillère à café de miel pur,
12,5 g, 10 gouttes d'huile essentielle de graines de carotte. Préparation. Avant de commencer à fabriquer ce savon artisanal, veillez à utiliser des gants et à être dans un espace ventilé. Faites aussi attention en manipulant tous les ingrédients, surtout avec la soude caustique. Choisissez de préférence des ustensiles en bois. Tout d'abord, faites bouillir 100 g de carottes dans un récipient d'eau. Lorsqu'elles sont tendres, retirez-les du feu et préparez une purée à l'aide d'une fourchette. Conservez l'eau de la cuisson. Dans un autre bol, versez la purée de carottes et un verre d'eau de cuisson des carottes. Ajoutez la soude caustique très soigneusement et, tout en remuant, mélangez-la avec une cuillère en bois. Puis, laissez reposer cette préparation pendant plusieurs minutes. Ensuite, ajoutez l'huile de coco, l'huile d'olive, le miel et les gouttes d'huile essentielle de graines de carotte au mélange. Remuez bien le tout avec la cuillère en bois et notez comment la consistance commence à augmenter. Enfin, placez ce mélange dans des moules en silicone pour façonner vos savons et laissez-les durcir au moins 2 jours avant de les utiliser. De cette façon, vous obtiendrez un savon sans produits chimiques, fabriqué avec des ingrédients naturels. Ce produit offrira de grands bienfaits à votre peau. Vous pourrez l'utiliser pour nettoyer votre visage tous les jours mais aussi pour prendre soin de votre corps. Pour le conserver plus longtemps, évitez de le laisser dans un endroit humide. Par ailleurs, choisissez de le garder dans un récipient hermétique ou dans un porte-savon après l'avoir utilisé. Découvrez également cet article, comment fabriquer un savon d'avoine et de miel pour hydrater votre peau. Pour prendre soin de notre peau, il est important de choisir des produits de la meilleure qualité. Dans le cas du miel, nous choisirons un produit biologique pour profiter de tous ses bienfaits. Il s'agit d'un savon artisanal à base d'avoine et de miel qui, en raison de sa riche composition nutritionnelle, nous permet d'hydrater et d'exfolier parfaitement la peau. Découvrez sans plus attendre la recette de ce savon naturel d'avoine et de miel dans cet article. Comment préparer un savon au persil pour atténuer les taches du visage? Le persil est une plante riche en antioxydants qui, ajoutée à l'action réparatrice et exfoliante d'autres ingrédients, nous apporte une solution naturelle.